Direct du point stop de l'ES10. Vous étiez avec Mathieu Hanin tout à l'heure en direct du point stop de l'ES9 pour la première spéciale de la journée. On va se retrouver dans quelques instants maintenant avec les prochains concurrents, les premiers concurrents qui vont arriver ici même sur cette spéciale longue de quasiment 15 km. On rappelle 14,79 km entre Roussan et Buire-le-Sec. Une spéciale bien connue hein, des amateurs du rallye du Touquet. Une spéciale qui sera forcément piégeuse. Je vous propose de regarder ce qu'on a juste là. Regardez, on est vraiment au point stop, mais vous voyez un petit peu simplement au passage de quelques calculs d'intervention, vous voyez la boue qu'il y a ici. Je vous laisse imaginer le spectacle dans les cordes, dans les spéciales, dans des conditions météorologiques qui pour l'instant sont sèches au niveau du ciel, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas plu ce matin, en tout cas visiblement ce n'est pas le cas ici, mais par contre il a plu beaucoup sur la région hier soir, il a plu pas mal pendant la nuit et forcément ça a complexifié un petit peu la tâche. Tous les concurrents sont partis sur cette boucle en pneus pluie MW, hein, bien sûr ça a été confirmé par nos amis de Michelin et vous l'avez vu, dès la première spéciale du jour, eh bien, il s'est passé des choses. C'est Hugo Margaillon qui a signé le meilleur temps au général, qui a repris un petit peu d'avance. Deux informations majeures, bien sûr, sur cette spéciale. La première, eh bien, c'est que William Wagner a perdu pour l'instant du temps et surtout que Johan Bonato est remonté à la cinquième place. Nicolas Siamin vient d'arriver. Il y a nos amis de Canal+ qui sont présents. On va juste se reculer un tout petit peu pour laisser la place à nos amis de Canal+. On en profite pour vous le rappeler. Le rendez-vous, ça sera jeudi soir à 21h30 pardon, sur les antennes du groupe Canal+, Rallye Club, où vous reviendrez pendant 52 minutes sur cette première manche du championnat de France des rallyes avec aux commandes Vincent Tricoli. Donc une belle soirée hein, jeudi soir, puisqu'on vous le rappelle, à 19h, on refera le CFR sur notre émission en direct sur les réseaux sociaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc jeudi à 19h et à 21h30, vous retrouverez Canal+ et Rallye Club. Voilà, Nicolas Siamin qui vient de terminer sa spéciale. Allez, on va récupérer le chrono bien sûr dans cette ES10 et on va récupérer bien sûr dans un instant la réaction à chaud de Nicolas Siamin. Le temps de Nicolas Siamin, il tombe à l'instant 7.23.9 et juste derrière Thomas Chauffré est arrivé, 7.29.7. Thomas Chauffré qui concède 5.08 secondes. Nicolas Siamin qui est parti visiblement sur un très gros rythme sous l'œil bien sûr du responsable du team Stéphane Sarrazin et de Nicolas Bernardi, le responsable de l'équipe de France. Bon Nicolas, une bonne spéciale invisiblement, vous reprenez 5 secondes 8 sur Thomas Chauffré derrière, on va voir ce que ça va donner par la suite. On a vu que c'était très compliqué dans la première du jour, c'était comment là celle-là? La première honnêtement c'était incroyablement difficile, on a rarement fait quelque chose comme ça. Celle-là c'était un peu mieux mais bon, ça reste quand même très compliqué. J'ai essayé de m'appliquer, voilà, j'essaie de prendre un peu de marche sur les freins et de bien m'appliquer, bien sortir des virages et voilà, on a un petit peu d'avance, mais malgré tout, il ne faut pas se relâcher. Mais bon, voilà, on a fait un bon temps apparemment par rapport à Thomas, il faut voir derrière maintenant. Ouais, c'est ça, l'erreur est vite arrivée bien sûr dans ces conditions, mais en tout cas, ça se passe pas trop mal. On va laisser bien sûr Stéphane et Nicolas Bernardi autour de Nicolas Siamin. On va recevoir Thomas Chauffré dans quelques instants. L'occasion pour moi bien sûr de vous rappeler éventuellement quelques temps. C'est pas arrivé encore, si on a le temps d'Hugo Margaillon. Hey, 7.57.0. Oulala, Hugo Margaillon qui a perdu beaucoup de temps, les amis. Hugo Margaillon a perdu beaucoup de temps. Ça, c'est une information. Il est en 7.57. Que s'est-il passé pour Hugo Margaillon? C'est peut-être une bonne nouvelle là pour Thomas Chauffré. On va en savoir plus dans un instant. Thomas, c'est le deuxième temps. Il s'est passé quelque chose visiblement pour Hugo Margaillon. On va le découvrir dans un instant. Il est un petit peu plus loin. Il est à 30 secondes de vous. Comment ça s'est passé pour vous? Mal. Je sais plus comment faut conduire. J'ai conduit comme un blaireau. Et voilà, l'écart sur Nico est pas si important par rapport à ce que ça devrait être parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est un coup trop, un coup pas assez, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc on va arrêter, voilà, on va se remettre comme il faut là et on va faire une belle grande. Allez, ça marche, pas de souci pour Thomas et Pauline qui ont quand même fait un bon résultat. Maintenant on va aller vite voir du côté de Thomas d'Hugo Margaillon pardon, parce que visiblement il s'est passé quelque chose. 30 secondes de perdu hein, pour Hugo Margaillon dans cette seule spéciale. Ça fait beaucoup évidemment. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé en sachant que derrière William Wagner a repris du temps. Ouais, Hugo Margaillon qui repart tout de suite, on va pas le déranger parce que visiblement il y a quelque chose qui s'est passé là pour Hugo Margaillon.
qui a perdu beaucoup de temps. Je vous rappelle, hein, pour l'instant, le scratch pour Nicolas Siemens, 7.23.9. William Wagner est en 7.35.1. Il reperd du temps aussi. Hein. C'est Thomas Chauffret qui fait la bonne opération, malgré le fait qu'il soit un petit peu mécontent à l'arrivée de cette spéciale, puisqu'il est désormais à 33 secondes de Nicolas Siemens. Et c'est William Wagner qui reprend la troisième place, mesdames et messieurs. Il est à 54.4. Donc Thomas Chauffret a maintenant un bon petit paquet d'avance, on va dire, sur William Wagner. Il est en train, peut-être, Thomas Chauffret, de sécuriser son premier podium en championnat de France des rallyes. Hugo Margaillan est désormais à 4e au scratch. Et on va véritablement passer une journée assez dingue ici. Éric Camilli reprendrait même la 4e place. C'est l'information sur Hugo Margaillan, puisque à l'instant, Éric Camilli vient de signer le 3e temps, 7.32.5. Le voici désormais 4e au scratch. On va essayer de récupérer les impressions de William Wagner. On ira chercher, bien sûr, Éric Camilli dans quelques instants. Ça va bouger, les amis. C'est en train de bouger déjà sur ce rallye du Touquet. Bon, William, spécial compliqué, on l'imagine. Hugo a perdu beaucoup de temps, on n'a pas vu ce qui s'était passé. Comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est bien passé. Après, c'est vraiment compliqué. J'arrive pas vraiment à me lâcher comme hier. Un peu mieux dans celle-ci, mais ouais, on va regarder ce qui louche un peu et puis ça devrait bien se passer. Vous prenez la troisième place hein, pour l'instant, William, en tout cas, aux dépens d'Hugo Margaillan. Malheureusement, c'est la grosse information de ce début de journée. Hugo Margaillan qui avait signé le scratch tout à l'heure, on vous le rappelle, et qui se retrouve désormais un petit peu plus loin, un peu perdu dans les méandres du classement. Et ça va aller de mal en pis, hein, parce que à l'instant, Johan Bonato effectivement vient lui aussi de mettre un coup, et Johan Bonato reprend la troisième place du scratch, les amis. Johan Bonato là qui est en train de faire un numéro, il se passe énormément de choses, ce rallye est en train de devenir dingue, puisque Johan Bonato signe le deuxième meilleur temps en 7.29.7 et est donc troisième au scratch, le podium qui change. Éric Camilli qui est à mon micro. Bon Eric, encore des conditions très compliquées, hein. Pas évident de se faufiler, mais vous vous en sortez pas trop mal là, sur cette spéciale visiblement. Ouais, c'est quand même fait un petit tour dans un champ, donc mais ça va, ouais. On essaie de se remettre un peu plus dans le rythme. Attends, on est parti un peu trop prudemment en pensant hier matin, je pense, et les conditions sont pas aussi pourries. Donc honnêtement, ouais, on essaie d'avoir le cœur assez gros pour essayer de s'envoyer, mais c'est pas facile parce que voilà, sans trop de roulage dans ces conditions, au final, franchement, je galère. Retour aux affaires, on le rappelle pour Éric Camilli, forcément, il faut un petit peu de temps. Il se passe énormément de choses, les amis, dans cette spéciale. On vous l'avait prévenu, on vous l'avait dit que cette spéciale, que ce rallye même plutôt, serait dingue et c'est en train de se passer. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé là à l'instant. Hugo Margaillan qui malheureusement dégringole au classement général. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour Hugo, on n'a pas eu la possibilité de l'avoir. Mais le nouveau classement général est le suivant, 1 Siemens, 2 Chauffret, 3 Bonato. Sur la spéciale, Bonato a signé le deuxième meilleur temps et Léo Rossel à l'instant est en 7.33.5. Bon Johan, ça bouge énormément là dans cette spéciale. Hugo, on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit souci. Vous reprenez la troisième place du scratch, Johan. Ouais, bah c'est une spéciale vraiment difficile finalement parce qu'elle était très sèche et très glissante à certains endroits, donc il y avait vraiment des changements de rythme. Écoute, on a fait quelques petites erreurs, mais pas rédhibitoires, on va dire, et il y a des moments, j'ai touché ni le frein ni l'accélérateur. Presque, j'avais envie de lâcher le volant. C'était pas évident, mais bon, ça a été. Il y a un gros morceau là qui va arriver dans quelques grosses minutes maintenant. Comment vous allez l'appréhender ? Ouais. J'espère que ça va aller pour Hugo. Je sais pas ce qu'il a. Ouais, je sais pas. On n'a pas eu le temps, malheureusement, il est parti tout de suite. On n'a pas voulu le déranger, donc 30 secondes de perdu hein, pour Hugo Margaillan. Mais ça se paye cash, hein, 30 secondes dans ces conditions. Quand on voit les écarts, c'est évidemment très important. Je vous le rappelle, hein, l'information pour l'instant, si vous nous rejoignez, c'est que Hugo Margaillan a perdu beaucoup de temps dans cette spéciale. Et donc, forcément, ça bouge au général. Et Johan Bonato reprend donc la troisième place du classement scratch. Léo Rossel, il arrive. Léo Rossel, 7.33.5, c'est le cinquième meilleur temps, c'est pas mal hein, ce qu'a fait Léo Rossel. On va le récupérer un petit peu plus loin, Léo. Bon Léo, il fallait vraiment s'appliquer là dans cette spéciale. Certains ont fait quelques petites erreurs. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, c'est un peu comme la spéciale d'avant, c'est très sale ma position. Je subis beaucoup plus qu'hier la saleté de la route. Il traîne la boue jusqu'au virage d'après, donc j'ai jamais forcément beaucoup de grippe. Mais je suis assez content. J'ai mis moi aussi deux roues dans un champ. Je pense que vu les traces, on est tous allés dans le même champ. Mais c'est une spéciale stage, ils l'ont fait X fois dans une rallye 2 et voilà, il faut continuer comme ça. Je suis persuadé que si je fais pas d'erreur jusqu'à
à ce soir, je vais remonter au classement. Il n'y a pas de raison, hein. C'est en train déjà de se produire et donc forcément il faut rester dans cette dynamique. Voici maintenant Cédric Robert, on remontera après hein, au niveau du point stop une fois que nos amis de Canal+ en auront terminé. Bon Cédric, on avait parlé de chantier hein, tout à l'heure ce matin avant de partir, je crois qu'on peut le valider, c'est un chantier. C'est un beau chantier, ouais c'est pour m'aider, tu vois, autant la première était, tu vois, c'est le grip qui est à l'époque, là c'est vraiment la sortie de Carrefour, on a du mal à motricer. On a connu des points stop meilleurs. c'est sûr, on peut le comprendre. On regardera bien sûr l'incidence au général, mais dites-vous bien que mener une telle auto, mener l'Alpine et ses deux roues motrices, forcément dans ces conditions, ça relève un petit peu de l'exploit, on va pas se mentir. Le point sur le classement de cette spéciale, les amis, on n'a pas les temps sous les yeux, donc forcément on va le récupérer comme ça. Nicolas Siemens, c'est le scratch, 7.23.9 devant Johan Bonato, 7.29.7. Thomas Chauffret fait le même temps, exactement le même temps, 7.29.7. Suivent Eric Camilli, 4e, Léo Rossel, 5e, William Wagner, 6e. Eric Boisson à l'instant 7e en 7.40.2, Cédric Robert est 8e, Stéphane Lefebvre signe le 9e temps, mais la grosse information de cette spéciale c'est que Hugo Margaillon est loin, très très loin, malheureusement ça s'est mal passé pour le jeune pilote originaire du sud-est de la France qui est relégué à la 7e place du scratch, il est passé derrière les deux Citroën C3 Rally 2 malheureusement du team PH Sport. Voici donc Eric Boisson qui nous confiait tout à l'heure que l'expérience sur cette spéciale se importante et je crois que c'est le cas. Bon Eric, on en parlait hein, de cette spéciale tout à l'heure, un morceau que vous connaissez bien et ça avait l'air d'être très très compliqué, en tout cas c'est très sympa votre nouvelle déco, c'est pas mal. Ouais, c'est on a une déco gravel, mais pire que la première dans le sens où ici il y a des portions que ça va, c'est plutôt séchant etc, puis on tombe sur un truc où c'est ourdé de terre, comme s'il y avait eu des tracteurs qui n'avaient pas arrêté de passer, des déversés de la terre. Donc on se fait 2-3 chaleurs, il y a des freinages vraiment glissants, ça surprend. Donc c'est changement permanent de grip, c'est du tout gay. Si on fait des fautes avec ces autos-là, on le paye tout de suite au niveau du chrono. Et j'en ai fait deux grosses, où j'ai fait tout droit, j'ai sauvé l'auto au frein à main, mais bon, c'est pas efficace. Et c'est vraiment compliqué. En tout cas, le temps de Siemens est quand même incroyable. Franchement, c'est fort hein, ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est bien ce que vous avez fait quand même, Eric Boisson, qui continue d'apprendre cette monture. On va recevoir Stéphane Lefebvre dans un instant. Ça s'est bien passé aussi pour Stéphane Lefebvre. Relativement bien passé, bien sûr, parce que dans ces conditions, mener un tel engin, forcément, il faut avoir du cran et du courage. Bon, messieurs, alors là, niveau plaisir, je pense que c'était sympa, non? Ouais, c'est sûr que niveau plaisir, c'est cool. Après, niveau perfo, bah, c'est arrêté. On ne fait que patiner. On n'arrive pas à prendre le grip, mais franchement, on se régale. On en rajoute un peu pour les spectateurs. Et la target du week-end plaisir, elle est encore là, donc ça, c'est cool. Bon, ça va, Mickaël, vous regrettez pas trop encore, ça va? Non, pas du tout. Non, on s'amuse bien. Je pense que s'il y avait une note pour le spectacle, il aurait le scratch, là. C'est clair. Je n'en doute pas, ça c'est sûr. Stéphane Lefebvre, ancien champion du monde junior et ancien champion du monde WRC3, notamment, qui nous fait le plaisir d'être avec cette 991 Cup absolument sensationnelle. Et alors forcément, bien sûr que les chronos ne sont pas au rendez-vous. Hein. Geoffrey Combe qui est à nos côtés, on te salue Geoffrey, malheureusement, ça s'est un petit peu mal passé pour lui. Raphaël Astier qui vient de passer, malheureusement, il ne s'est pas arrêté jusqu'à nous. On va aussi suivre dans quelques instants Quentin Gilbert qui avait fait le troisième temps, scratch hier dans la dernière spéciale du jour. On va voir comment ça s'est passé pour tous ces garçons, bien sûr. Dès que les chronos me parviennent, je vais vous les donner. Et on montera ensuite hein, dans quelques instants sur le point stop. Eh bien les amis, il s'en passe des choses. On vous l'avait dit, hein, ça serait évidemment une grosse, grosse, grosse spéciale. Et c'est confirmé. En tout cas, c'est chaud. Et oui, c'est bien ce qu'a fait Quentin Gilbert. Deuxième meilleur temps hein, dans les deux roues motrices, puisque Cédric Robert était en 7.41.2. Quentin Gilbert est en 7.41.8. C'est chaud, c'est serré entre les deux hommes. Raphaël Astier est un petit peu plus loin, 7.45.8. Stéphane Lefebvre en 7.50.7. On n'aura pas Quentin Gilbert qui ira se décasquer un petit peu plus loin. On est obligé, hein, les amis, de rester un petit peu aux avant-postes, on va dire, pas très très loin du point stop. Denis Millet qui est en train d'arriver. Denis Millet qui continue d'apprendre. Hein, le vainqueur du Michelin Rallye Tour, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est présent ici même sur ce rallye du Touquet. On devrait le revoir un petit peu plus souvent cette saison en championnat de France des rallyes, mais forcément c'est pas évident de se mêler à la bagarre. Il est quand même en 7.43.3, il est intercalé entre l'Alpine de Quentin Gilbert d'un côté et l'Alpine de Raphaël Astier de l'autre, et au même moment c'est Jordan Berfa
qui vient de franchir la ligne d'arrivée et qui s'apprête à nous donner ses impressions au point stop. Jordan Verfa est en 7.49.2, le champion de France des rallyes Terre 2017. Hein, on s'en souvient, Jordan Verfa qui, évidemment, dans ces conditions, a besoin d'un petit peu plus de roulage. On va progressivement se rapprocher, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. On récupérera toutes les informations. Je vous rappelle l'info, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct du point stop de l'ES numéro 10, ici même à Bure-le-Sec. Et c'est Nicolas Siemens qui a signé le meilleur temps de cette spéciale en 7.23.9. Au général, il creuse un petit peu l'écart devant Thomas Chauffret, donc et Johan Bonato. On va essayer d'avoir Denis Millet, voilà, qui s'arrête à notre micro. Bon Denis, pas évident dans ces conditions, mais vous êtes là, vous faites pas d'erreur visiblement, ça se passe plutôt bien cet apprentissage. Ouais non, c'est bien honnêtement, comme je disais, celle-ci ne m'aspirait pas trop pendant les reconnaissances, je la trouvais hyper rapide et pas très intéressante, et puis en fait de rouler dedans là, c'est quand même sympa, on se fait plaisir, bon elle est très très rapide, hein, mais bon, y a quelques endroits très piégeux, quelques virages qui sont vraiment boueux, donc là on est quand même content d'avoir les pneus pluie pour ces quelques virages. Après sur le sec, on voit que le pneu est au bout, après il y a beaucoup de flottement, mais bon, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Exactement, c'est pareil pour tout le monde, il le confirme, hein, Denis Millet. On va essayer de récupérer Jordan Verfa également, on va peut-être le laisser s'avancer un petit peu, Jordan. Ouais, non, Jordan qui partira, qui ira un peu plus loin, c'est normal aussi, hein. Il y a des timings à respecter, bien sûr, c'est pas forcément évident la zone dans laquelle nous nous trouvons. On va rapidement regagner notre emplacement originel. On a Eric Moffret, on va essayer de lui prendre un petit mot à Eric Moffret, toujours un plaisir de retrouver Eric. Qui s'amuse beaucoup sur ce rallye. Bon Eric, alors, racontez-nous un peu cette spéciale là qui visiblement était très 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 compliquée. Non, j'ai pas trouvé, honnêtement. Bah il y avait deux trois endroits bien piégeux, mais on les connaît. Et puis finalement là où c'est piégeux, c'était au milieu des champs, donc tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques, quoi. Et j'ai fait deux trois erreurs, voilà, je m'en vais un petit peu, mais voilà, dans des changements de direction, je me suis trop freiné, des petites choses comme ça. Mais ça a été. Bon, après, je connais bien la spéciale aussi, donc je sais où ça va être glissant et tout, et donc j'ai moins d'appréhension. C'est vrai que ces conditions, vous les aimez bien quand même, hein, quand le terrain devient un petit peu glissant. C'est vrai qu'Eric Moffret, il est à l'aise là-dessus. Allez les amis, venez avec moi, on va se rapprocher un petit peu du point stop, puisque nos amis de Canal+ sont en train de terminer, hein, leur tournage. On les remercie et donc on vous le rappelle, le rendez-vous, ça sera jeudi soir à partir de 21h30 sur les antennes du groupe Canal+, Rallye Club dédié au rallye du Touquet. Bernd Cazier qui vient de passer ici même, et on va gentiment se rapprocher du point stop. Et, on remercie bien sûr nos amis de Canal+, on a hâte de voir le travail de Vincent Tricoli pour sa première aux commandes de Rallye Club. On va en profiter pour saluer nos amis commissaires aussi, comme d'habitude, on a l'habitude de le faire, ils sont présents. Alors pour certains, ils sont bien au chaud, enfin au chaud, façon de parler entre guillemets, abrités, mais en tout cas, dans tous les cas, ils sont tous mobilisés tout au long de ce rallye et on les remercie bien évidemment. Arnaud Gauthier qui arrive à nos côtés, premier rallye avec cette voiture, hein, pour Arnaud Gauthier. Bonjour Arnaud. Bon, alors c'est comment là ce Touquet qui devient enfin, je dirais, gras, piégeux? Ça doit être quand même très plaisant une fois qu'on est arrivé au bout de cette spéciale. Ouais, on était hyper satisfait globalement de la journée d'hier. Et ce matin, on se pose dans l'autre spéciale là. On a été pêcher les lézards, les têtards. Et encore une fois, merci aux spectateurs qui sont venus nous sortir. Bon, ben là on roule. Il va falloir qu'on fasse les comptes à l'assistance, quoi. Ouais, de toute façon, on est là pour engranger de l'expérience aussi, hein, donc tout ça fait partie justement de cette expérience. Arnaud Gauthier avec la C3 d'un peu plus ancienne génération, on va dire. La C3, la Fiesta, pardon, et non pas la C3. Mais une voiture toujours efficace, bien sûr. On aura le chrono, on l'a le chrono, 7.57.9. Et je vous propose, voilà, un petit récap sur les classements avec eh bien, le chrono de référence, celui de la voiture numéro 2 et les temps qui suivent derrière avec Johan Bonato, hein, sur la C3 qui a signé le deuxième meilleur temps en 7.29.7. Ex aequo avec Thomas Chauffret, le même temps pour les deux hommes. Et donc, eh bien, les trois garçons sont sur le podium. Un Siemain sur le podium scratch, bien sûr. Un Nicolas Siemain. Deux, justement, Thomas Chauffret qui a désormais un petit matelas d'avance. Et troisième, Johan Bonato. On attaque la Stellantis avec Anthony Fautia. Bonjour Anthony. Alors, comment ça se passe début de journée pour vous? Ça va, c'est pas évident, il faut rester concentré. Il n'y a quand même pas beaucoup de grippe ici. On a quand même une belle avance, il faut pas faire n'importe quoi. On va continuer à rouler quand même. Et puis on va essayer d'éviter les pièges. Exactement, pour arriver au bout et peut-être une première victoire en Stellantis Motorsport Rally Cup. Dès la première victoire, Anthony Fautia qui nous fait le plaisir de revenir, hein, sur le championnat de France cette année.
Et on va les suivre aussi, hein, les voitures de la classe Rally 4 et de la Stellantis Motorsport Rally Cup, bien sûr. Le chrono d'Anthony Fautia va s'afficher dans quelques instants, alors que Marc Lens arrive à nos côtés avec un élément de carrosserie manquant. Alors, je ne sais pas si c'était dans la spéciale d'avant ou dans celle-ci. Bonjour Marc. Bon, comment ça s'est passé là pour vous depuis ce début de journée? Première spéciale et celle-ci, vraiment prudent. C'est assez piégeux. Pas trop à l'aise sur la boue, donc comme on manque un peu de roulage, c'est vrai que c'est pas là où on s'éclate le plus. Mais bon, ça va, on est là. C'est bon. Vous les connaissez quand même ces routes, hein. Vous savez peut-être un petit peu mieux que d'autres comment les appréhender. Marc Lens qui vient d'en terminer en 8.00.8, le temps d'Anthony Fautier, on va vous le donner quand même, 8.16.9, hein, on va garder ce temps en mémoire. On rappelle, hein, qu'Anthony Fautier hier est rentré en qualité de leader de la Stellantis Motorsport Rally Cup, donc pour l'instant ça sera le chrono qu'on va suivre, le chrono forcément de référence dans ce qui concerne la Stellantis Motorsport Rally Cup. Je vous rappelle, hein, quand même que du côté des deux roues motrices et des Alpines notamment, le temps de référence est à mettre au crédit de Cédric Robert en 7.41.2, mais vous l'avez vu, Quentin Gilbert était en 7.41.8, donc c'est serré quand même, hein, entre tous ces garçons. Alors voici maintenant Olivier Hural qui arrive à nos côtés avec la C3. Bonjour Olivier. Bon, on continue de... Ouais, ça va. Et vous? Ouais, ça va. C'est compliqué ce matin. Mais bon, on n'a pas fait d'erreur. Et puis, on engrange des kilomètres, donc non, c'est cool. C'est ce que j'allais dire, on continue de prendre de l'expérience, c'est ça l'essentiel. Il y en a besoin. Forcément, avec une telle auto... bien rouler, c'est quand on voit le temps des autres qu'on se dit qu'il faut faire des kilomètres. Et oui, c'est ça, Olivier Hural qui est copilote à la base, troisième rallye, hein, seulement, et puis pas avec n'importe quelle voiture, qui plus est, cette C3 du Trajectoire Racing. Et on a une petite pensée pour Nils Stivnar, hein, également. On a une petite pensée, ouais, bien sûr, pour Nils, malheureusement, pas au départ de cette journée sortie de la route. Hier est pensionnaire, bien sûr, du Trajectoire Racing à domicile, ici même, évidemment. Le temps d'Olivier Hural, le voici, 8.13.8. Hein. Il est affiché ici même sur l'écran de nos amis commissaires, enfin sur l'écran, sur le tableau plutôt. Hein. C'est pas un écran interactif, c'est un tableau qui devient interactif avec l'effort des hommes, bien sûr, évidemment. Exactement. Exactement. Allez, on va rester bien sûr en direct encore pendant quelques minutes ici même. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, on est en direct du point stop de l'ES numéro 10 entre justement Roussan et Buire-le-Sec, une spéciale longue de 15 km, très piégeuse, très boueuse, on l'a compris. Et certains, eh bien, sont peut-être partis à la faute, en tout cas certains ont connu des difficultés. Ça, c'est l'information majeure que vous devez retenir, hein. Si vous nous rejoignez à l'instant à l'issue de cette spéciale, eh bien, c'est qu'Hugo Margaillon, malheureusement, a peut-être commis une petite erreur. En tout cas, visiblement, il est sorti, si vous voulez, il y a eu du temps de perdu, hein. Ça, c'est une certitude pour Hugo Margaillon. On essaiera bien sûr d'avoir toutes les informations à ce sujet. Je crois que peut-être Anne détient justement ces informations, donc je vais pouvoir vous les communiquer dans quelques instants, visiblement. Mais Hugo Margaillon a perdu du temps, a dégringolé. Le voici désormais derrière Léo Rossel, Eric Camilli au général. Et puis surtout, l'autre information, c'est que Johan Bonato est désormais troisième du scratch, donc avec Thomas Chauffret toujours en deuxième position. Thomas Chauffret qui va récupérer forcément un petit peu d'avance sur ses poursuivants, et peut-être qu'il va pouvoir sécuriser, on ne sait pas, un podium. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette journée, elle est très très loin d'être terminée. On va justement profiter, hein, tout au long de la journée. Vous serez avec nous en direct si ce n'est pas déjà le cas, je vous le rappelle. Abonnez-vous surtout sur notre chaîne YouTube CFR TV pour ne manquer aucun direct et être notifié dès que le direct démarre. Allez, on attaque là aussi les pensionnaires du déroulement motrice avec Steve Juif, qui était très en vue hier. Bon Steve, comment ça s'est passé là ce matin pour vous? Ben moyen, j'ai un peu du mal sur le gras, et là on a essayé de passer des durs, on a vu que sur le début de spécial c'était sec, et puis à chaque fois que c'est gras, c'est une catastrophe. Je sais pas si c'était le bon show ou pas, on verra la suite. Il va falloir attendre un petit peu avec ses pneus, qui plus est. Donc on espère bien sûr que le choix va s'avérer payant pour Steve Juif, qui passe maintenant à la Clio Rally 4, hein, on le rappelle, après une saison au sein du Clio Trophy France. J'ai pas vu le chrono de Steve Juif. On est en 8.08.2.
Est-ce à comparer aussi avec le 8-16.9 d'Anthony Fautia, c'est intéressant et je me demande même si avec ce chrono, je pense qu'Anthony Fautia va rester aux commandes hein, sur cette classe Rally 4, mais il va falloir surveiller de près parce que je pense que selon ce qui s'est passé tout à l'heure, je vous avoue ne pas avoir le temps en mémoire en tout cas de tout à l'heure. Merci beaucoup Anne qui va nous redonner toutes ces infos, mais il y a des chances que effectivement ça P pour Steve Juif. Voici Jérémy Chrétien avec l'Alpine. Bonjour Jérémy. Bon, c'est conditions assez particulières là, avec l'Alpine pour prendre des kilomètres et prendre de l'expérience, mais je pense que vous devez vous faire plaisir quand même. Ouais, on est surtout toujours en glisse à droite, à gauche. Il y a pas mal de boue, il y a les portions, il y en a quand même un paquet délicates. C'est vrai que pour tenir la voiture en place et droite, c'est pas forcément évident. Je connais pas ces conditions avec la propulsion, mais effectivement, on essaye d'apprendre et de rester sur la route, et c'est déjà pas simple, je trouve. Ouais, c'est clair, ça doit pas être évident avec ces Alpines là. C'est déjà un exploit hein, d'être là, bien sûr, et d'être au rendez-vous. Allez, on va regarder du coup le scratch effectivement du côté du Don Autrice. Et oui, hein, c'est vrai qu'il n'est pas très très loin. Il n'y a plus qu'une seconde d'écart. Non, un peu plus quand même entre Fautia et Steve Juif, pardon. Autant pour moi. Benjamin Anquier maintenant. Bon, Benjamin, exit les soucis d'hier. Un petit peu particulier hein, ce qui s'est passé hier pour vous. Ça va mieux là aujourd'hui? Bah, ça va mieux. Alors aujourd'hui, c'est ce que je disais à Mathieu dans la précédente, c'est la survie complète dans la caloterie. Ici, c'est un peu plus sec par endroit, mais ça reste quand même assez piégeux. Mais on s'éclate, on s'amuse, c'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé hier en définitive? Et bah, en fait, dans la cinquième spéciale, on a crevé. Ça a dû faire un peu de dégâts sur le ski. Et on a tapé une grosse corde dans la septième spéciale. Ça nous a projeté assez haut en l'air. On a dû arrêter pour pas tout casser. Quoi. Bien sûr, ouais, c'était impressionnant. Le bruit... malheureusement, n'était pas très plaisant. Et on va bien sûr, évidemment, rester concentré sur ce qu'il va se passer. Oui, il y a encore un petit peu de temps. Excusez-moi, j'ai mal lu le classement entre Fautia et Juif. Mais en tout cas, Steve Juif reste au contact puisque eh bien, il y a en gros un peu plus de 20 secondes, 25 secondes grosso modo, d'écart au scratch entre Anthony Fautia et Steve Juif. Mais Steve Juif pour le gain de la classe Rally 4 hein, cette fois-ci, même si eh bien, ce sont on va dire, deux voitures totalement différentes, eh bien, il faudra les surveiller de près. Je vous rappelle un petit point sur le classement général. Les amis de ce 63e rallye, le Touquet-Pas-de-Calais, première manche du championnat de France des rallyes. Pour l'instant, Nicolas Siemain est toujours le leader devant Thomas Chauffré qui possède désormais 20,3 secondes d'avance sur Johan Bonato et Benjamin Boulou, 3e du général. William Wagner est 4e. Eric Camilly est remonté en 5e place. Léo Rossel en 6e position. Hugo Margaillan, malheureusement, a perdu du temps et sera malheureusement difficilement toujours dans la lutte pour la 2e place du classement général. Il est désormais 7e au scratch. On va rester en direct pendant encore quelques minutes, les amis, le temps de voir passer un maximum de concurrents ici même. Et puis, on se dirigera petit à petit vers le S numéro 11, le gros morceau, bien sûr, de ce rallye Le Touquet-Pas-de-Calais, la spéciale Uccellier, 122 km. Ça sera le juge de paix de ce premier rendez-vous de la saison. On reprendra cette spéciale tout à l'heure. Et à l'issue de celle-ci, eh bien, nous serons en direct pour le point stop final, bien sûr, de ce rallye du Touquet 2023. Ça va être une spéciale complètement dingue avec Uccellier, bien sûr. Cette spéciale qu'on a l'habitude de rencontrer, ce final un peu particulier hein, qui a été redessiné exprès pour cette première manche de la saison 2023. En tout cas, ça va être vraiment un spectacle de folie. Avant cela, d'ailleurs, on le précise pour nos amis spectateurs qui nous regardent pour l'instant en live et qui vont peut-être venir nous rejoindre. Eh bien, il y aura deux zones de dédicace, une à Uccellier, l'autre à Étaples, avant l'assistance qui entrera en vigueur à partir de 12h39. Voici Ludovic Jeudy qui va arriver dans quelques instants, deuxième hein, du trophée Michelin ce matin. Et ça fait plaisir de le retrouver, Ludovic Jeudy. Bonjour Ludovic. Bon, parlez-nous un petit peu de ce début de journée pour vous. Comment ça s'est passé? Bah, la première, ça a été dans celle-là un peu trop prudent à mon goût. Mais bon, voilà. On ne peut pas tout bien faire. Est-ce que ça vous plaît le Touquet, le championnat de France là? Alors le Touquet me plaît, le championnat de France me plaît. Autrement, je ne serais pas venu. Mais il faut s'habituer aux routes. Hein, quand c'est la première fois que tu découvres le terrain et que les autres, ils sont déjà passés 3-4 fois dedans.
les années précédentes, automatiquement, face qu'on fait à l'heure actuelle, au premier, à notre première venue au Touquet, je pense qu'on est pas mal. Ah ouais, c'est clair, non, c'est très bien et on est ravis de vous retrouver, en tout cas, pareil fait, Ludovic Jeudi, qu'on devrait retrouver aux côtés de Julie Doriot sur l'ensemble de ce trophée Michelin et de ce championnat de France derrière, avec cette voiture un petit peu atypique, hein, cette Peugeot 205, mais qui va rivaliser avec d'autres. Lucas Darmezin et Valentin Auger qui pointaient en belle figure aussi à la Stellantis. Bonjour Lucas, bon alors comment ça s'est passé pour vous? Ouais, ça n'a pas été une bonne spéciale. Sur 2-3 freinages, j'ai freiné bien trop tôt et puis... Il y a une grosse flaque, là on a pris la flaque et le temps de mettre les essuie-glaces. Bon, je sais pas, faut voir ce que ça dit le temps et puis voilà, faut rester concentré. Allez, on va regarder ça. On rappelle hein, le temps de tout à l'heure d'Anthony Fautier, 8.16.9. On va voir le temps de Lucas Darmezin et de Valentin Auger, 8.08.8. Hein, c'est le scratch, messieurs, pour l'instant dans la Stellantis. Donc c'est vite, c'est vite, c'est vite. Et attention parce qu'il n'a peut-être pas dit son dernier mot, ce garçon. Il sera un client également, notamment pour le gain du junior hein, cette année. Lucas Darmezin, il avait déjà brillé l'année dernière à quelques reprises lors de ses apparitions sur le championnat de France des rallyes. Et clairement, avec un programme un petit peu plus complet cette année, il sera un gros client. Voilà donc l'information. On va se mettre bien sûr sur le classement également de la Stellantis Motorsport Rally Cup, bien sûr, pour cette spéciale. Puisque Louis Constant vient d'arriver également, on va le retrouver dans quelques instants. On devrait avoir son chrono. Oui. Le chrono, il est là et le voici justement, Louis Constant. 8.15.8, voilà le temps de Louis Constant, ça veut dire qu'Anthony Fautia est pour l'instant troisième du général. Et Lucas Darmezin revient à 36.7 de Fautia. Bonjour Louis, c'est le deuxième temps hein, pour l'instant dans cette spéciale. Je suis en mesure de vous le confirmer, je vais vous le donner même. 8.15.8, Lucas a fait le scratch, vous êtes devant Anthony Fautia, c'est pas mal. On est devant Anthony Fautia. Ouais, on est derrière À 7 secondes de Lucas. Ouais, là sincèrement, c'est très compliqué à juger le grip. C'est compliqué, faut faire vraiment gaffe. Un coup c'est trop tard, un coup c'est trop tôt. On a fait la vie d'un champ, je pense qu'on perd au moins 3-4 secondes facile. Non, franchement, c'est vraiment compliqué, faut vraiment s'appliquer. Okay. Ouais, on peut le comprendre. Hein. On peut le comprendre évidemment, mais il s'en sort bien. Louis Constant, et derrière, qui c'est qui arrive justement? C'est Julien Cazal, hein. La surprise aussi de la journée d'hier. Troisième temps, Julien. C'est le troisième temps pour vous, 8.16.6, hein, intercalé entre Louis Constant et Anthony Fautia. C'est bien ce que vous avez fait, messieurs. Ouais, c'est bien, mais c'est là, on découvre vraiment le Touquet. Là. Hier, c'était sec, c'était assez facile, on va dire. Aujourd'hui, c'est vraiment extrême. On passe d'une route avec du grip à une route où il n'y a plus de grip du tout. D'un freinage à l'autre, c'est très très dur. C'est d'autant plus pour ça que c'est bien ce que vous faites, parce que vous êtes là, vous êtes au contact et vous restez bien sûr dans la bagarre. C'est bien hein, ce qu'a fait Julien Cazal pour le coup. Je vous rappelle pour l'instant le classement scratch dans cette spéciale pour la Stellantis Motorsport Rally Cup. Le scratch pour Lucas Darmezin en 8.08.8. Louis Constant, deuxième temps, en 8.15.8. Julien Cazal est un petit peu plus loin en 8.16.6. Et Anthony Fautia en 8.16.9. Pardon. Et à l'instant, c'est Loïc Coste qui vient de signer une marque en 8.17.2. Effectivement, au général, l'incidence est la suivante. 1 Fautia, 2 Darmezin, 3 Constant. 4 Cazal et 5 Loïc Coste. Il va arriver à nos côtés, Loïc Coste. Pareil, il est au contact, hein, c'est bien ce que fait Loïc Coste. Bonjour Loïc, c'est le cinquième temps pour l'instant dans la Stellantis. J'imagine que vous êtes aussi aujourd'hui en train de continuer d'apprendre hein, dans ces conditions que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de vivre. Exactement, c'est vraiment une découverte pour moi aujourd'hui. Donc voilà, on essaye d'apprendre, de progresser petit à petit. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut améliorer encore. Donc ça va être l'objectif de la journée. Et puis avant tout, il faut être à l'arrivée. Oui, deuxième saison hein, seulement, donc forcément, il y a encore des choses à apprendre. Pour celui qui est l'ancien champion de France des rallyes tout terrain, Loïc Coste. Alors là, en termes de tout terrain, on est servi. Hein. Pour le coup, Thibaut Sellier à l'instant est à l'arrivée, un petit peu en retrait, Thibaut Sellier en 8.19.5 et au général effectivement il est un petit peu plus loin hein, Thibaut Sellier. Allez, le voici Thibaut, copiloté par Thibaut Stella. Bonjour Thibaut,
Bon, des conditions pas évidentes, hein, on l'imagine. Et puis, il y a encore un petit peu d'adaptation à faire. Comment vous vous sentez au volant de cette voiture qui n'était pas encore à votre mesure hier? Je me sens franchement super bien. J'ai fait deux erreurs, je suis allé dans un champ deux fois. Donc, sans ces deux erreurs, je pense que le temps était vraiment pas mal. Après, on a toujours un petit problème sur... je suis obligé de débrayer pour passer à rapport. Donc, on va essayer de gérer ça. Et voilà, on se sent bien dans la voiture. Donc, il faut continuer à attaquer. Je suis à l'aise, donc maintenant à moi de jouer pour être encore plus devant. C'est ça, exactement. Il va falloir mettre tout dans la boîte. Thibaut Cellier et Thibaut Stella qui portent les couleurs, bien sûr, du lycée de Saint-Vallier. C'est Jean-Nicolas Haute maintenant qui va arriver. On va rentrer dans le groupe F-Rallye. Bonjour Jean-Nicolas. Bon, c'est sûr qu'avec cette auto, c'est peut-être un peu plus simple que certains copains devant, là, avec les deux roues motrices, notamment pour aller visiter les cornes un peu boueuses, mais ça doit être quand même du sport, ça doit bien bouger aussi pour vous. Ah bah, ça bouge clairement, et puis on motrice, mais on a beaucoup de poids arrêté et en tenue de route dans les virages, donc voilà. On a encore une boîte en H, on n'est qu'une petite groupette. Non, pas petite groupette, mais je suis content, on roule comme il faut à notre main. Il y a peut-être quelques freinages que j'assure de trop, mais sinon, non, je suis satisfait de mes spéciales jusqu'à présent. Super, on va suivre bien sûr Jean-Nicolas Haute, un habitué hein, évidemment de ce championnat de France des rallyes qui porte bien sûr les couleurs du team de HP Compétition, évidemment. Allez, Matteo Codaccioni, hein, l'instant à l'arrivée. Matteo et Pauline Dalmasso, 8-21.3. C'est derrière hein, pour l'instant pour Matteo. Bonjour Matteo, bonjour Pauline. Bon alors, ce début de journée, racontez-nous. Compliqué quand même, le rythme devant, il est hard quand même. Il y a un gros rythme, mais ça, moi j'ai vraiment du mal pour l'instant. Je sais pas où on en est, mais... Ouais, il faut aussi prendre du roulage, de l'expérience, hein, c'est aussi normal. Hein. Ouais, là on peut plus rien faire. Faut qu'on aille au bout et on peut plus rien tenter. Allez au bout, prenez du plaisir. Matteo Codaccioni, copiloté par sa compagne hein, ce week-end, qui n'est autre que l'ancienne championne de France des rallyes. Allez, on va poursuivre avec c'est Yann Claret là, qui arrive à nos côtés. Le leader du classement expert à l'issue de la journée d'hier. Bonjour Yann. Bon, alors cette journée, comment démarre-t-elle pour vous? Ouais, la première, elle était très très compliquée, honnêtement. J'ai perdu pas mal de temps et là j'ai fait un tout droit. Bon, après, je pense que je perds une bonne dizaine de secondes dans cette spéciale là, sur mon tout droit, mais bon, c'est la première erreur du week-end. Je vais essayer de ne pas en recommettre et je vais surtout essayer de progresser. Je vais vous donner une info, si vous aviez perdu 10 secondes, effectivement, vous seriez en deuxième place du scratch de la Stellantis puisque vous êtes en 8-20.9, donc moins 10, ça nous aurait fait un 8-10, intercalé entre Lucas Darmesan en 8.08, donc c'était bien, il faut continuer comme ça. Allez, on va en profiter justement pour parler de Nicolas Bernardi justement qui est à nos côtés. Bonjour Nicolas. Bon, double casquette hein, aujourd'hui avec la partie rallye jeune d'un côté, la partie équipe de France de l'autre. On va commencer par l'équipe de France. Pour l'instant, ça se passe à merveille pour Nicolas Siamin et Yannick Roche. Ouais, on est content pour Nicolas. Nous, on a, c'est vrai, un programme avec lui à l'international. Et forcément, je regarde ce qu'il fait sur le championnat de France parce que c'est intéressant de voir la préparation pour le rallye de Croatie, qui est un rallye assez similaire en termes de grip. Il y a beaucoup plus de virages, un petit peu plus montagneux, mais en tout cas, il prendra de bonnes marques. Il a une nouvelle voiture, une nouvelle équipe et c'est bien de démarrer par en tout cas des performances comme il le fait ici. Ouais, on est content. Tout à fait. On va juste, je reviens à vous, Nicolas, pour aller voir Thomas Capelli. Bon, Thomas, comment ça va sur Sali? Ouais, c'est compliqué. C'est moins compliqué que la première. La première, j'ai pas du tout pris de plaisir et par rapport au turbo, on prend trop. Là, c'est un peu mieux. Il faudrait limite des 11, mais des fois, on sait pas trop. Alors, bah, ça reste glissant. Nous, on n'a rien à jouer. On reste sur la route et voilà. Vous étiez parti comment, dites-nous? Aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui, MW carré.
Et oui, forcément, le choix de pneus, il était crucial hein, pour Thomas Capelli au volant de cette 208 R2. La 208 R2, c'est la voiture notamment dans laquelle eh bien, le lauréat rallye jeune Yaco FFSA a débuté sa carrière. C'était l'an dernier en rallye. Le voici désormais au sein de la Stellantis Motorsport Rally Cup. On va le recevoir dans un instant. Maxence Potard et Pierre Delorme, ils font un rallye comme il faut, j'ai envie de vous dire. Ils engrangent des kilomètres et je pense que ça doit vous satisfaire aussi, Nicolas. On est satisfait parce qu'il réalise ce qu'on lui demande, c'est-à-dire prendre de l'expérience, essayer de travailler son système de notes. Pour le moment, on est encore sur un système qui est très perfectible et donc on le voit hein, quand on regarde les acquisitions de données, il est capable d'être très rapide, aussi rapide que les meilleurs sur des secteurs. Il est capable des fois de prendre 3-4 secondes sur 10 secondes, ce qui est énorme, simplement parce qu'il y a des... Il y a des approximations encore dans les notes, il y a un manque de confiance et ben, c'est son quatrième rallye. Donc il faut lui laisser le temps. Quand on reprend un petit peu l'historique des grands pilotes français, on répète toujours les mêmes, mais en tout cas il y en a eu plein d'autres. Mais les deux Sébastien, que ce soit Loeb ou Ogier, ils ont démarré aussi en prenant des secondes au kilomètre. Donc il faut être patient. C'est normal, effectivement ça fait partie du jeu. Allez, on va s'intéresser au Clio Trophy France maintenant, les amis, avec Arthur Pellamourgue et Alizé Potier. Comment ça va, Arthur? Ouais, impeccable. On se régale, c'est compliqué, celle-là un peu moins que celle d'avant. C'est dur de se jauger, on essaye d'assurer. Finalement, tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on n'a pas tant assuré que ça. Et là, on va voir. Pour, honnêtement, c'est difficile de dire en avance, vu les conditions. Le syndrome de l'imposteur pour Arthur Pellamourgue, en tête hier du Clio Trophy France, mais qui ne voulait pas l'admettre, hein, qui attendait de se faire reprendre. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Arthur Pellamourgue est en train peut-être de réaliser l'une des performances de ce rallye, sinon la performance, bien sûr, de ce rallye Le Touquet-Pas-de-Calais en ce qui concerne les coupes de marque, bien sûr. Et on va attendre aussi la suite, évidemment, des concurrents dans ce Clio Trophy France. On va rester encore en direct avec vous, les amis, pendant quelques minutes et on basculera ensuite petit à petit vers l'ES numéro 11, ce très très gros morceau entre Uccellier d'un côté et Inxent de l'autre, des passages mythiques bien sûr sur ce rallye Le Touquet-Pas-de-Calais. Et vous y retrouverez d'ailleurs Mathieu, Anne. Nous on se retrouvera un petit peu plus tard à l'assistance et puis on vivra ensuite une après-midi complètement dingue. Et voici maintenant Patrick Magnou et Anthony Villanova, et là on va vraiment s'intéresser à la compétition dans la Clio 8-24.2, c'est en retrait hein, pour Patrick Magnou. Bonjour Patrick. Bon, parlez-nous un petit peu de ce début de rallye. Comment vous l'avez abordé, en sachant que bien vous êtes là et peut-être vous en avez gardé un petit peu aussi pour assurer l'essentiel. Ouais. Dans celle-ci, on a fait un peu de trois couilles. J'étais dans un champ, tout ça. Et voilà, donc on perd un petit peu de temps, mais sinon non, c'est pas trop mal. Voilà, il roule très bien devant Arthur. Et voilà, et on va continuer à attaquer. C'est pas encore fait hein, dans le classement général de ce Clio Trophy France. Pour l'instant, 7,1 secondes. C'est le temps au scratch entre Arthur Pellamourgue d'un côté et Patrick Magnou. Bien voilà, hein, Arthur Pellamourgue, il ne croyait pas à sa position, il ne croyait pas à la teneur de sa place, mais pour l'instant, ça tient. Allez, voici maintenant Valentin Asenzi, 8,27,8 hein, et Marine Lacruz. Bonjour Valentin. Bon, vous êtes un tout petit peu en retrait par rapport aux autres sur cette spéciale, mais l'essentiel, je pense, c'est aussi d'être là et de monter en puissance au fur et à mesure de la journée. Ouais, très compliqué de se mettre dans le bain ce matin. Bah, la boue, c'est pas pour moi, on l'a vu hier déjà. Donc, ouais, on va essayer de continuer à. On va essayer de se rattraper un peu cet après-midi, mais bon, là, c'est vrai que dans les deux premières, j'étais pas dedans et c'est un peu plus dur, mais bon, c'est comme ça. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit, donc on verra à la fin du rallye, mais c'est bien d'être là déjà. Vous seriez à 17 secondes hein, de Patrick Magnou au scratch et donc à 24,7 d'Arthur Pellamourgue. Voilà pour les infos. Ce qui nous donne donc... Visiblement, ça a tapé. Bonjour Nicolas, je vois qu'il y a un petit peu d'éléments de carrosserie là qui bougent à l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans un talus, là, dans un carrefour. Freiné trop tard, pas de grippe au freinage. Et encore une boulette. Rien de bien grave, ça va, visiblement. Ouais, on est monté sur un talus. Là. Bon, voilà.
Ça va le faire, Nicolas Latil. Le lauréat en titre de cette catégorie expert, bien sûr, qui est au contact et qui attend bien sûr le chrono. Il va tomber dans un instant. On va avoir Benjamin Rico aussi dans quelques instants. On retourne dans la Stellantis Motorsport Rally Cup. En tout cas, vous pouvez retenir l'information suivante. C'est Arthur Pellabourg qui a signé le scratch dans le Clio Trophy France. C'est Lucas Darmezin qui a signé pour l'instant le scratch dans la 208, dans la Stellantis plutôt. Et Nicolas Siamin au général. Voici Benjamin Rico et Timothée Diné. Bonjour messieurs, alors comment ça va ce matin? Racontez-nous. Ça va nickel, la première c'était vraiment un champ de mine, c'était vraiment de la survie. Celle-là c'était beaucoup mieux, on fait une petite erreur, on part dans un champ, du coup on perd 5 secondes je pense. Mais voilà, on apprend, c'est des conditions nouvelles, donc chaque kilomètre fait c'est une expérience de prise, donc voilà, on se régale. C'est ce qu'il faut exactement. Allez, Benjamin Rico qui est en 8.21.5 effectivement, juste avant on était en 8.44.5 pour Nicolas Latil. On va rester encore un petit peu en direct avec Maxence Potard et Pierre Delorme, mais on se quittera pour ce direct. On parlait justement de Maxence et de Pierre avec Nicolas Bernardi. Bonjour Maxence, bonjour Pierre. Bon, on continue l'apprentissage là dans ces conditions. Forcément, il faut que le temps fasse son œuvre, mais en tout cas, vous êtes toujours là, vous faites un rallye très solide. Bravo à vous messieurs. Ouais, on est content. Ce matin, c'était compliqué. L'adhérence dans la première, c'était vraiment compliqué. Mais là, c'est mieux. Il y a plus de grip, donc ça va, c'est un peu plus facile. Ouais, c'est clair, ça sera forcément plus simple. Et c'est pas mal le temps de Maxence Potard et de Pierre Delorme, 8.21.4. C'est même un très très bon chrono pour le jeune équipage qui porte les couleurs de l'opération Rallye Jeune Yaco FFSA, puisque au général sur cette spéciale, eh bien, pour l'instant ça mettrait Maxence Potard en 9e position, donc c'est plutôt pas mal. 1 Lucas Darmezin, 2 Louis Constant, 3 Julien Cazal. Allez, on va prendre les impressions de Benjamin Stirling et après on se quittera. On a du mal à lâcher le live, forcément, et on va regarder aussi Benjamin où il va se situer par rapport aux autres. Bonjour Benjamin. Alors, racontez-nous un petit peu ces deux premières spéciales du jour. Là. La première, elle était très compliquée, très sale, très dégradée. On n'avait pas trop le droit de sortir des rails, sinon l'erreur, elle était inévitable. Mais je pense qu'on était parti trop prudent ce matin dans la première. Là, dans celle-là, il y a du bien, il y a du moins bien. Sur certains freinages, je suis bien, sur d'autres, bof. Et avoir le temps, mais pas trop top là, début de matinée. 8.29.5, voilà le chrono, 8.29.5, donc vous en perdez un petit peu effectivement sur vos principaux concurrents et ça vous fait perdre un tout petit peu de temps, mais l'essentiel étant d'être ici. Merci à Benjamin, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce direct. Prochain rendez-vous en live sur la chaîne YouTube CFR TV avec Mathieu Anne à l'arrivée de l'ES numéro 11 entre Uccellier et Inxent. A très vite les amis.